J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de septembre. Oui, je sais, vous avez eu une tonne de book haul dernièrement sur la chaîne. Mais promis, celui-ci, il est léger. Voilà, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 7 livres à vous présenter. Oui, j'ai fait des progrès, hein. C'est surtout que financièrement, voilà. j'ai dû racheter un siège auto à Bibou. Enfin, j'ai eu des dépenses pour ma voiture ce mois-ci. Voilà, donc. J'ai dû mettre mon argent ailleurs que dans les livres. Donc, on va commencer quand même relativement vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. J'essaye de pas parler trop fort parce que, bon, bah, comme à chaque fois, Bibou est à la sieste. Et Dieu sait que j'ai eu du mal à le faire dormir alors qu'il a quasiment pas dormi de la nuit, donc voilà, c'est tendu. Alors tout d'abord, celui-ci, Doudou me l'a offert, ça fait un petit moment et je pense que j'ai oublié de vous le montrer en fait. Donc il m'a offert Wild Earth, donc de Lily M, aux éditions Milady Romance. C'est un slash romance MM et j'ai hâte de le lire, j'espère vraiment le lire prochainement. J'étais déjà limite en train de le commencer, mais ma soeur m'a dit attends-moi pour le lire. Mais vu qu'elle n'est pas prête encore à lire du MM, voilà, j'ai peur qu'il traîne et j'ai pas envie qu'il traîne. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire celui-ci. Ensuite, donc j'ai fait un petit tour à Emmaüs, hein, mon petit tour à Emmaüs du mois. J'ai trouvé un DVD donc Epic. C'est chez qui ça? Ah, c'est Century Fox. C'est pas Pixar ni quoi que ce soit qui a fait ça. Bon, ben voilà. Donc Epic. Il est passé à la télé il y a pas longtemps, je crois. Et donc je l'ai vu une fois et je l'aime bien. Et je me suis dit que ça pourrait être bien dans la collection de Bibou. Voilà. Ensuite, je me suis trouvée donc, à Emmaüs. L'été devant nous, donc de Jenny Anne. C'est pas un premier tome, je crois que c'est un 2 ou voire 3, je sais plus trop. Mais bon, voilà, je l'ai en bon état. Donc, c'est une saga qui me fait envie. C'est aux éditions Albin Michel Collection Wiz. Donc, oui, il est en bon état. Donc, voilà, c'était cette saga. Et. Ah, j'ai mon petit casque. Quoique, si c'est celui-là. J'en ai eu au total pour 10 euros. Voilà. J'étais beaucoup plus raisonnable ce mois-ci. Mais bon, voilà, je l'ai vu, je l'ai pris. Jenny Anne, j'ai déjà testé. J'avais bien aimé le premier tome des amours de Lara Jane. J'ai essayé de lire le deuxième, mais ça m'a pas plu. Donc je me suis arrêtée un peu plus de 40% je crois. Donc je verrai avec celui-ci ce que ça donne. Mais enfin, je vous mettrai en annotation de toute manière, hein, si c'est un premier tome ou si c'est quelque chose, si c'est une saga ou ça se trouve c'est peut-être un one shot. Mais je ne sais plus là à l'heure actuelle. Voilà. Ensuite, je me suis procuré un Gail Forman, donc Là où j'irai. C'est aux éditions. Bonne question, ça doit être du France Loisir. Non, édition de Noyel. Mais oui, il n'y a rien écrit sur la tranche, donc voilà. J'avais envie de tester Gail Forman. Et enfin, ouais, il était en bon état. Je suis pas très fan de la couve. Mais bon, il est en très bon état. C'est écrit gros. Il y a des bonnes marges. Donc voilà. C'était surtout Si je reste aussi qui me tentait. Mais bon, j'ai trouvé celui-ci, donc je l'ai pris. Ensuite, j'ai trouvé un Cecilia Ahern et c'est un cadeau du ciel. Il est en très bon état lui aussi. Jolie couverture estivale. Et c'est aux éditions Flammarion cette fois-ci. Donc voilà, Cecilia Ahern, il y en a un qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Je vous mettrai le titre juste là. Et, bah, il me faisait envie. Voilà. J'ai du mal à acheter du neuf, hein, vous le savez. Donc voilà, j'ai trouvé celui-ci en bon état, donc je l'ai pris. Hop.
Je fais une pile qui tient déjà pas debout. Ensuite, j'ai trouvé les saisons avec Universon, donc c'est du Disney. C'est des éditions France Loisirs. Il est en super bon état et voilà, c'est un petit livre sympa pour apprendre, apprendre les saisons. À Bibou, ça va être sympathique. C'est tout. C'est Winnie l'ourson en même temps. Hein. Donc voilà, quand je l'ai vu, j'ai pas trop hésité. Il était dans les spéciales 9, je crois, mais donc je l'ai vu à 3 euros. Voilà, alors qu'il en vaut, bah, je ne sais pas. Il n'y a pas le prix, mais voilà. Il y a des petites activités sur la fin. Faire un gâteau potager. Planter une tête de cresson. Décorer tes œufs de Pâques. Enfin, voilà, une activité par saison, c'est cool. Voilà. Donc, ouais. Vous savez que j'ai du mal à résister de toute manière par la loi du Winnie l'ourson. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Sinon, bah, je me suis acheté 2 livres neufs. Pourtant, j'essaye de me mettre l'objectif de m'en acheter un seul par mois ou deux s'il y a l'achat du mois à faire à France Loisirs. Hein. Mais bon, là, j'ai quand même 2 neufs. Enfin, 3 avec celui de France Loisirs. Donc, j'ai déjà merdé mon challenge. Voilà. Donc dernièrement je me suis acheté donc le tome 2 de la saga de Marie Rutkowski, donc The Crime. Il est magnifique, magnifique, magnifique. Je l'ai eu à 14,25€ au lieu des 15. Voilà, je l'ai acheté à Auchan. Et voilà, il est trop beau. Mais je ne sais pas si je les lirai papier. Voilà. Mon côté toqué. Donc c'est aux éditions humaines. Et voilà. J'adore cette maison d'édition. Bien que je n'en ai pas lu. Ouais, c'est dingue. C'est dingue. Mais les objets livres sont tellement beaux et je les trouve à des prix. Voilà, ils sont abordables. Mais bon, c'est des sagas. Donc j'attends. J'attends pour me lancer, j'attends d'en terminer plusieurs même beaucoup plus pour pouvoir les entamer et peut-être attendre qu'elles soient terminées pour voilà, les avoir toutes et pouvoir les avoir dans ma bibliothèque pour les commencer. Mais oui, il est juste magnifique. Il est juste magnifique et bon bah je l'ai vu, j'ai craqué. C'est trop beau. Donc il va rejoindre son petit frère. Ensuite, ça c'est un achat que voilà, il était dans ma wishlist depuis très longtemps. Je voulais l'acheter, mais j'avais peur de l'acheter en occasion pour le recevoir abîmé. J'avais peur en fait. Et là, il fallait absolument que je me le procure parce que l'auteur venait en dédicace sur Amiens. Donc, je me suis procuré. La passe miroir, donc le premier tome, Les fiancés de l'hiver, donc une belle bricasse, donc de Christelle Dabos, voilà, que j'ai fait faire dédicacer par mon homme parce que bah, ça se passe toujours les week-ends et vous savez que le week-end je travaille, donc c'est mon homme qui y allait et il s'en souviendra, je pense. Je sais pas si ça sera pas la dernière dédicace qu'il va me faire en fait, parce que il y allait avec Bibou et il a dû attendre un peu plus de 2 heures. Voilà. Et je m'attendais pas à ça et lui non plus. Voilà. Et Bibou lui a mis la misère. J'ai eu ma petite dédicace. Voilà. Et je suis super contente. Il me fait un peu peur parce que c'est une bricasse, mais bon, j'en entends tellement de bons avis que ça donne super envie. L'univers me tente. Mais bon, le dernier tome est en cours d'écriture. Je ne sais même pas si elle l'a commencé. Donc voilà, je vais attendre un petit peu avant de l'ouvrir, je pense, et me procurer les autres. Voilà, il est trop beau, il est trop beau.
Donc c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Oui, j'allais, je voulais pas dire ça. Mais voilà. Donc voilà, j'ai ma dédicace et j'en ai profité pour faire une petite dédicace aussi pour ma sœur. Je vous montre pas, sinon je vais lui spoiler tout son truc. Ouais, oui, t'attendras. Donc voilà. Pour ça, je suis super contente. Il est vraiment, vraiment, vraiment beau. Mmh. Et ouais, il me tente. Maintenant que je l'ai dans les mains. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai été relativement sage ce mois-ci. Sachant qu'il y a quand même un livre neuf en trop. Hein. Et voilà, faut vraiment que je le regarde où c'est que ça en est pour ma. Il va falloir que je les appelle, je pense. Enfin, je les appelle pour savoir où c'est qu'il y a ma commande, parce que c'est quand même bizarre. Parce que ça fait un petit moment que je l'ai passé quand même. Mais bon. Hein. J'ai pas beaucoup de temps libre, alors c'est problématique. Donc voilà pour ce book haul du mois de septembre. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez lu certains de ces livres. Ou si il vous tente. Voilà, ça m'intéresse. Et je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Jusque là, bonne lecture et à dimanche.